Alléluia. Oui, c'est la promesse qu'il nous a faite. Il dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons réclamer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander simplement de nous visiter. Nous allons lui dire, Seigneur, nous sommes assemblés. Nous avons besoin de ta présence. Prie et réclame le Saint-Esprit. Prie, réclame l'Esprit de Dieu et demande-lui de te visiter, de te remplir encore de sa présence. Élève la voix, commence à prier. Prie avec lui et invoque l'Esprit de Dieu. Encore. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont plus puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Oui, les armes avec lesquelles nous combattons sont plus puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel de nous armer puissamment, de nous revêtir de toutes les armes qu'il nous faut pour pouvoir renverser nos adversaires. Amen. Amen. Il faut que nous soyons armés spirituellement. Il faut que nous soyons remplis de toutes les armes spirituelles afin de combattre nos ennemis. Prions et demandons à Dieu de nous armer. Prions. Priez, lève la voix, priez avec vie. Priez. Et demande-lui de t'armer puissamment. Pour te de toutes les armes qu'il faut. Parce qu'il a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Le combat est un combat spirituel, donc un combat au-delà du physique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu vas te tenir debout. Si tu es assis, tiens-toi debout. Amen. Amen. Oui, tu vas te tenir debout. Tu vas prendre une position contre tes adversaires. Alléluia. Amen. Cette nuit, ce matin, du moins ce soir, tu vas couper les liens de famille. Alléluia. Amen. Les liens d'hérédité, les liens de pauvreté, les liens du célibat, les liens, tout ce qui est lien de famille, tu vas rompre cela ce soir au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Il faut que tous les liens soient rompus au nom de Jésus. Tout ce qui te met encore en contact avec les mauvaises pratiques, il faut que tous les liens soient rompus au nom de Jésus. Il faut que tous les liens soient rompus au nom de Jésus. Thank you.
désormais de ton côté. Alléluia. Amen. La victoire est dans ton camp. Alléluia. Amen. Parce que tes ennemis vont tomber au nom de Jésus. Amen. Tous tes adversaires vont tomber au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de continuer le programme, nous allons offrir à Dieu. Amen. Amen. Ce que nous avons apporté ce soir dans sa maison. Alléluia. Amen. Nous allons lui offrir. Amen. Voilà. Voilà. Pendant que ce temps-ci passera, toi viens et fais ton offrande. Alléluia. La vie de tous les jours, il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec qui Jésus, je régnerai à jamais. Je proclame Adonai. De la brigade anti-sorcier. Yes. J'ai l'honneur encore ce soir de te présenter le prophète Joël Crasso. Shalom. Acclame très fort. Nous voulons te saluer. Merci notre Dieu. De ta présence, Elohim, merci de nous bénir. Merci de nous visiter. Ce soir, au travers de ta présence, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as quelqu'un qui veut te bénir. Je te bénisse. Tu n'as pas bien entendu. Je te bénisse. Je te bénisse. Je te bénisse. Amen. Amen. Nous avons de prier durant cette journée afin de chercher véritablement la présence de Dieu. Yes. Amen. Amen. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures la parole de Dieu. Dans Matthieu 17, 21. On dit tel soit des démons, ne soit que par le jeûne et la prière. Amen. Tout contraire, Dieu aussi a besoin de votre foi pour vous délivrer. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Nous sommes comme dans une retraite spirituelle où chacun en train de se recueillir pour demander, n'est-ce pas, la grâce de Dieu par rapport à sa délivrance, par rapport à sa guérison, par rapport à la restauration. Amen. Amen. Alors, que Dieu bénisse. Je suis très heureux de vous revoir encore d'autres visages. Amen. 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 Que Dieu vous fortifie. Amen. Dieu, on le cherche. On le cherche, on le trouve. Amen. Amen. Voilà, on le cherche, on le trouve. Avant de prendre la parole, je vais commencer d'abord par expliquer certaines choses. Amen. Amen. J'espère que le séjour est bien. C'est ça? Oui, ça va. C'est bon. C'est comme ça. C'est bon. C'est qui est intéressant, c'est qu'on est au Maroc. Amen. Il faut Amen. Que j'explique quelque chose Amen. Parce que j'ai vécu un événement tout à l'heure. Je vais me vider un peu avant de prêcher. C'est une soeur camerounaise. Ça, je suis obligé de le faire en direct. Parce qu'elle va suivre ça. Il faut qu'elle écoute ce que j'ai dit. Parce que je ne suis pas un jouet avec lequel elle doit jouer. J'ai dit à la soeur, moi j'ai affaire au démon. Si tu veux, tu penses que tu es un démon, je vais t'attaquer. Oui, parce que écoutez, quand nous quittons la Côte d'Ivoire, personne, on ne demande à personne de nous donner l'argent du pays. Personne. On n'a jamais fait une annonce sur internet pour dire, comme nous venons pour une retraite au Maroc, donnez-nous du sou. Or,
Abidjan, c'est pas de l'orgueil, en Côte d'Ivoire. Les dons, moi je sors à Abidjan seulement. Les gens qui ont envie de me voir, les dons qui me vont, ça va plus de 500 000 francs par jour. C'est pas de l'orgueil. Parce qu'ils ont envie de contribuer à mon ministère. Ils veulent me donner pour que. Parce qu'il y a des gens, mais qui sont même comme des musulmans, qui disent, j'aime le travail que tu fais. Tiens, tiens, l'argent, va travailler. Voilà. Nous laissons tout ça. Le voyage, ça nous a fait plus de 2 millions de francs, c'est pas. Oui. Le bien, ça va coûter plus de 500 000. Nous sommes en haute saison. Ce sont des vacances. Ça nous a fait. C'est le billet cher. Ok. Même ici, on loue. Il faut que j'explique. Parce que le pasteur paye ici. On le paye de 2500 dirhams. Parce que c'est important. Il faut qu'on contribue pour aider le pasteur. On n'a jamais. On ne vous a même pas dit de rembourser ça. Vous comprenez? Ça dit. On s'est donné corps et âme pour vous aider. Et nous avons cette habitude de le faire. Nous le faisons même au centre. Il y a des gens qui viennent, moi je prends mon argent, je les aide. Il y a Abidjan, il y a des gens, mais je perds leur maison. J'ai des personnes qui ont été carrément abandonnées. Moi je gagne quoi? C'est l'œuvre de Dieu, mon argent c'est pour servir Dieu. Amen. Le tout dernier voyage qu'on a effectué, on a connu une soeur qui est camerounaise. Elle s'appelle Marie Bernadette. Il faut que je t'explique. Parce qu'elle m'a envoyé un texto, j'ai eu des prières. Je suis en train de me concentrer dans la chambre, en train de prier. Quand j'ai vu le texto, ça m'a démoralisé. Et je lui ai répondu, j'ai dit arrête, stop. Elle a continué de m'insulter. C'est comme des injures. Oui, j'ai toujours bien expliqué. Elle a continué de m'insulter comme des injures. Elle a déjà fait une seule fois. Le frère Armel, vous voyez, c'est mon chargé de communication. Même s'il n'est pas, d'autres pensent qu'il n'est pas compétent, mais il est mon chargé de communication. J'ai fait avec. C'est ça. Non, j'ai fait avec parce qu'on s'entend. C'est ça. Ceux qui sont passés à mon service, le diable l'a beaucoup utilisé. Ce monsieur, il me facilite la tâche. J'avance avec lui. Amen. Et on finira par s'améliorer au fil du temps. Amen. C'est comme ça. C'est clair. Nous sommes cette peuple humaine. C'est comme ça qu'on va s'améliorer au fil du temps. Mm-hmm. Et c'est lui qui gère ma communication téléphonique, mais il est journaliste dans un organe de presse. Donc il n'est pas en plein temps avec moi. Il est pendant les week-ends à Divo. Et justement, en début de semaine, il rentre pour ses activités personnelles. Mm-hmm. Oui. Or, cette sœur, elle a voulu qu'on l'aide par rapport à une situation au Cameroun. C'était déjà validé à mon niveau. Elle m'envoie le billet et tout ça. Le frère, il se rend à l'aéroport qu'on lui dit non, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il y a un problème de visa. C'est moi qui suis allé le chercher à l'aéroport. Il était bloqué, il a tout fendu non. Si on te laisse partir, au niveau du Cameroun, tu ne pourras pas passer. Donc, il faut partir, il faut rentrer. Il m'a appelé, je t'ai besoin sur moi parce que je m'en ai accompagné. Je suis allé le chercher à l'aéroport. Et puis on a échangé carrément avec la sœur. Le prochain rendez-vous, ça n'a pas été respecté parce qu'on n'a pas le temps. Et ça, il faut que j'explique à la sœur, on n'a pas le temps. J'ai l'Amérique qui est dans ma poche ici. Ils sont pressés. J'ai gardé le dossier de l'Amérique. Le voici là. Quand le frère de Hong Kong l'appelait hier, ce matin m'a dit, les gens de Hong Kong, l'Asie, nous veulent pour un mois. Ils m'ont demandé, sinon j'ai pensé à moi, je n'ai pas de Maroc ici. Ça, je vous dis la vérité. Tout frais payé, un paye nos billets d'avion, le séjour pendant un mois, on fait Hong Kong. Hong Kong, c'est pas associé à la Chine. Après Hong Kong, on part à Pékin. Après Pékin, il y a aussi l'Inde. Ça dit qu'on fait trois, un mois, frais payé, ça dit tout. Le nombre de personnes, eux, ils prennent sans charge. Le frère nous a parlé, on a donné les trucs, il voulait tous les papiers. Or, les papiers, il faut au moins 2 semaines pour fournir tous les papiers pour être ici. On a zappé. On a zappé, c'est ça. Le frère m'a oublié d'appeler le frère truc. Parce qu'on était. On était ici, on a dit ok. Si on rentre, parce qu'on a des gens à aider. Notre ministère, c'est ce qu'on appelle le ministère de la compassion des âmes. Si j'ai pensé à moi, je vous assure, j'allais être dans les guettes. Parce que ceux que je reçois en privé sont terribles. Oui, moi j'ai affaire à vous que les sorciers m'attraitent. Les sorciers ont décidé de vous rendre pauvre. Je vais vous délivrer de la pauvreté. Amen. Cette onction que j'ai reçue de la part de Dieu. Amen. Sinon, quelle autorité de la Côte d'Ivoire qui vous bat vraiment? Qui? Au niveau de la Côte d'Ivoire, pourquoi j'ai fait la presse? Pourquoi je suis allé à la télé? C'est le ministère de l'Intérieur qui a validé pour dire ton ministère doit officiellement connu. Va à la télé. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes officiellement connus. Nous avons tous les papiers du ministère de l'Intérieur. Donc, on travaille d'une manière légale. La soeur nous rentre en contact avec nous. Le frère, elle est rentrée en contact avec nous pendant qu'on avait le programme. Moi, j'ai dit, ok, on arrête tout, va. Parce que c'est important. Va sur le terrain. Tu arrives sur le terrain, on le bloque à l'aéroport parce qu'il n'est pas pris de visa. Il est rentré. Je pense que la soeur, on s'est revu dessus.
On a vu la soeur, elle est venue ici. On a échangé, on a prié pour elle. On a même expliqué notre programme, tout ça. Donc elle a relancé le truc. Lui n'avait plus le temps. Mais c'est fini, elle a commencé à l'insulter. Le message qu'elle a envoyé sur le portable du frère, c'était vraiment terrible. Oui, l'insulter jusqu'à un point de dire le prophète Krasso n'est pas le seul prophète au monde. Oui, elle a dit. Elle a dit, il n'est pas le seul prophète. Moi, je ne pense pas que Dieu est un seul prophète pour aider les gens. Je m'emmerde. Vous m'emmerdez. Moi, je me cherche. Vous ne pas m'aider. C'est bon. Elle m'a envoyé le texto. Il y a une de ses tantes, ses soeurs, qui est soeur en Italie. La soeur m'a appelé. Il dit, je vais t'envoyer le texto que ta soeur m'a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait à ta soeur. Jusqu'au point d'insulter mon chef de communication. Je peux comprendre. Mais pour dire que ce qu'il a dit là, je suis capable de dire ça. Elle m'a envoyé, parce qu'on a mis sur le plus, elle m'a envoyé le message, j'ai bien eu, j'ai pas répondu. J'ai carrément répondu à sa soeur, elle négocie, elle dit non, il n'y a plus à négocier, parce que ta soeur ne s'est pas excusée. C'est toi qui demandes pardon, pas ta soeur. Elle ne s'est pas excusée. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un message sur le Facebook, pour me dire, il y a une femme, une soeur qui vit chez lui, Dominique, que Dominique aurait dit, Armel dit, que tant qu'elle n'est pas venue au Maroc, ou encore du voir, on ne pourra jamais l'aider. Donc elle a commencé à m'insulter. Vous êtes quoi? Vous êtes quand? Elle a commencé à me parler. Bah, je t'ai oublié de vous dire, tu sais, vous faites qu'on n'a plus envie d'aider les gens. C'est vrai, on n'a plus envie d'aider les gens. Je leur ai dit, pardon, stop. Je suis en pleine concentration dans ma chambre en train d'aider les gens. Mais elle a envoyé les textos. Je posais la question, est-ce que Dominique que tu connais là, elle est ma secrétaire? Ou bien c'est parce qu'on a causé au Maroc que tu vois Krasso comme... Ça fait rien. Parce que je suis humble, je ne suis pas. Tu vas me voir comme quelqu'un qu'on doit chiffonner. Je leur ai dit, tu sais, si tu continues, si tu ne veux pas avoir des histoires, il faut arrêter. Elle dit, moi, je ne sais pas les histoires, mais je tente de te dire la vérité. Ce n'est pas une vérité. Le frère Amen n'a pas de problème avec elle. Je te dis en même temps, le frère Amen n'a pas de problème avec toi. Ni moi, le prophète Krasso. On a décidé de t'aider. Mais tu es en train de nous prendre comme. Des animaux. Et excusez-moi, ça concerne tout le monde. On est ouvert. L'argent qu'on a mis nous-mêmes personnellement, vous n'avez pas dit, je suis obligé de détailler les dépenses. Chez nous, à la maison, là-bas, c'est de l'argent qu'on paye. C'est pas vous qui payez notre maison. C'est nous qui payons sa maison, nos propres frères. Et ici, la salle, ici, on occupe ça. On a payé la salle. Les billets d'avion ont été payés par ma propre poche. Je suis allé réduire l'argent à mon guichet pour dire, je m'en vais aider les gens. Parce que l'argent que Dieu me donne, c'est pour aider les gens. Donc, si nous sommes en contact avec vous, facilitez la tâche. Ah oui. Ah oui, oui, parce que les démons vous m'emmerdent déjà. Vos démons, quand vous venez ici, ils commencent déjà à m'emmerder. J'ai le temps de lui dire, je dis, si les gens viennent ici au Maroc, si tu es en contact avec eux, qui commencent à être déjà et moi, toi et moi, Paul, on n'a plus parlé. Vous n'êtes pas, j'ai le temps de lui dire, tu n'es pas venu pour t'affilier aux gens. Ici, Maroc, ce n'est pas mon secrétariat. Mon secrétariat, c'est Abidjan. C'est Abidjan qui doit vous dire. Mon secrétariat, c'est Divo. J'ai un secrétariat. Je lui ai dit, je suis très bien organisé. Elle dit, tu es organisé comment? Elle m'a insulté par moi. Oui, elle m'a insulté comme si j'avais un problème avec moi. Je lui ai dit, mais si tu as un problème avec les démons, c'est pas moi. Tu sais bien que je suis au Maroc. J'étais en train de lui demander, l'apaiser. Mais elle a commencé à m'insulter, à chiffonner Armel. Armel, c'est quelqu'un qui s'est mis. Là pour aider le ministère. Il prend moi qu'il est. Il a, attends, sa femme, c'est lancé, sa femme. C'est un enceinteur. Elle a laissé, vous savez, vous connaissez bien les caprices des femmes enceintes. Amen. Amen. C'est un enceinteur, il a cédé sa femme. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Donc, vous connaissez bien les caprices des femmes enceintes. Il laisse tout ça, puis vient ici. Mais c'est vrai, il faut que vous dites tout ça. Les caprices des femmes enceintes, c'est terrible. Il a tout laissé, avec tout ce stress-là, et il a laissé son boulot. Il n'est pas en plein temps. Mais il est dans le ministère, mais il n'est pas en plein temps. Il oublie de laisser certaines choses pour être ici, pour nous aider. Moi, je le respecte. Je dois beaucoup de respect à Mel. J'aimerais qu'on le respecte. Si j'en dis la soeur, je dois oublier de faire cette vidéo parce que ça fait deux fois qu'elle nous emmène. Elle m'a envoyé, mais si on montre le message, je ne peux pas oublier les sujets. Je dis, s'il te plaît, arrête les histoires. Elle continuait de parler. Parler. M'écrit. Je suis obligé de bloquer le truc. S'il vous plaît, nous ne sommes pas au Maroc. Nous avons décidé d'être au Maroc ici pour vous aider. Amen. Voici l'objectif. C'est de vous aider. Amen.
Pendant que je suis en train de vous parler, le centre, les gens, le rendez-vous, la liste des gens, c'est fait plus de 400 personnes qui viennent dans le monde, entier, qui doivent venir au centre. J'ai une liste. Est-ce qu'on appelle? On appelle. Il y a plus de 400 personnes. C'est les vacances. Ils viennent avec leur famille. Oui. Nous avons tout laissé. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. C'est comment on devait être délivré. C'est ça qui nous intéresse. Sinon, qu'on allait vous dire, mais payez nos chambres, payez nos tables, parce qu'on est venu vous délivrer. Oui. Moi, j'ai ma maison, j'ai mes charges. J'ai tout laissé pour être ici. Ici, nous avons les chambres, nous avons tout laissé. Le centre, vous voyez là, c'est plus de 2 millions par mois. C'est-à-dire le personnel, tout ça, on paye. La maison, y compris moi, ma maison, les charges, ça fait plus de 2 millions par mois de charges. On n'a jamais fait une vidéo pour demander l'argent aux gens, aidez-nous. Parce qu'on a envie, on dit payer nos maisons. Dieu nous prend en charge. On a décidé de créer le Maroc parce qu'on s'est dit, c'est un pont. C'est à partir du Maroc. C'est un pont, c'est une porte d'entrée. Et généralement, vous allez comprendre que le Nord dans un pays est stratégique, spirituellement parlant. Donc nous avons décidé, l'Afrique du Nord, de vous aider ici, avec nos propres moyens. Je n'ai jamais dit à mon père, ah non, je vais te rencontrer dans moi l'argent d'abord, avant de... Non! Vous êtes venu même dans les entretiens, je ne vous ai jamais parlé d'un problème d'argent. Dans les entretiens, vous dites non, nous avons trop de dépenses ici, donnons-nous l'argent parce que nous sommes confrontés à des dépenses. Non. Moi, je me dis, l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. Et si moi, il y a l'argent, c'est pour servir Dieu. J'ai cette habitude, je n'ai pas peur. Mon argent appartient à Dieu. C'est pour ça que Dieu me bénit. Voilà, mais quand on décide de vous aider, franchement, donnons-nous ce courage-là. Parce qu'on quitte ici, c'est 4 heures. D'autres de l'Europe, on peut être 2h30. Ou bien d'autres personnes, 2 heures. Nous avons 4 heures de vol pour être ici. Non seulement ça, vaut le démon. Parce que ici, il y a les esprits terribles. Ils sont en train de combattre. Ils sont en train de gérer beaucoup de dossiers. C'est pour vous aider. C'est pour ça que nous sommes ici. Comment une fois le diable ne veut même pas que vous rentrez dans votre destinée. Le diable est en train de vous combattre. Le diable ne veut pas. Et c'est cette compassion-là qui fait que moi, Crasso, je suis ici. Je disais sur le pasteur de l'église, j'ai dit non, moi je ne suis pas au Maroc à cause du Maroc. Je suis désolé, non. Je suis au Maroc à cause de la diaspora. Amen. Là, il n'y a rien en Europe. Il n'y a rien là-bas. Amen. On priait pour eux, ils vont avoir l'argent, ils vont venir investir en Afrique. Amen. Amen. Ils me disent qu'ils sont africains. C'est la vérité. Ils disent qu'ils sont africains. Mon frère souffre. Oh, l'Afrique a besoin de vous. La vie de chacun d'entre vous. L'Afrique a besoin de nous. C'est ça que nous sommes là. Le rêve des Blancs, c'est de venir investir en Afrique. Avec les impôts, en Europe, tout ça. Or, vous aujourd'hui, vous avez toutes sortes de problèmes. Il faut qu'on prie pour vous. Voici la raison. Moi, je suis trop en Afrique. Moi, l'Europe, ça ne m'intéresse pas. Si je vais en Europe, c'est pas aller évangéliser, point barre. Ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup à faire en Afrique. Il y a trop à faire. Il y a encore trop de villages qui n'ont pas été évangélisés. Il y a trop à faire. Il y a les faits quoi. C'est ça que les pasteurs de Paris ont peur. Ils se disent que si le prophète vient ici, il va prendre tout. Il va ramasser les arbres. Et donc, oui, il y a les pasteurs sorciers qui ont fait bloc. Et puis, heureusement que mon voyage, oui, le désert, on a découvert un réseau. Moi, je suis resté dans mon silence, je dis rien. Mais tout est fait prêt pour qu'ils rentrent à Paris. Voilà, c'est ce qu'ils ne savent pas. Moi, ils travaillent dans le secret. Comme d'avant, je parlais beaucoup, ils ont vu ma stratégie. Ils ont commencé à m'attaquer. Maintenant, ils ne parlent plus. Amen. Un matin, ils vont me voir à Paris. Et puis, Paris, c'est pas mon rêve. Je connais la France, c'est pas mon rêve. C'est pour aller prier pour vous. Et mon prière, ça serait unique. J'ai toujours dit, allez, revenez en Afrique. C'est mon sujet. Voilà, parce que Dieu m'a mis à cœur d'aider l'Afrique. Moi, c'est l'Afrique qui m'intéresse. Chaque homme de Dieu a son ministère. Voilà, donc moi, c'est l'Afrique. Donc, ici. Franchement, j'aimerais qu'on soit comme un père et des enfants, et qu'après ici, qu'on puisse vraiment vous aider et entretenir ce lien. Amen. Parce que déjà, on s'est vu physiquement, et dans la vie, on a toujours besoin d'un père, on a toujours besoin d'un guide spirituel, on a besoin de ça. Mais malheureusement, quand on s'ouvre aux gens, les gens nous prennent comme des enfants. J'ai dit la semaine, tu me prends comme un enfant. Amen, tu as moyen d'esco, mais moi. Je dis, non, mais ça, moi, tu as fait ça, lui, oui. Je me suis déplacé pour venir ici. Toi, tu t'es déplacé pour venir ici. On a prié pour toi. Tu n'as même pas payé. C'est pas toi qui as payé ma chambre ici. C'est pas toi qui as payé mon billet d'avion.
un problème, on a raté, on n'a pas parce qu'on a, il allait à la répondre, le visa, il faut le visa, pas parce qu'on a refusé. Il est parti, il a eu un problème. Elle a relancé, il n'a pas le temps. De toute façon, il n'a pas le temps, seulement il n'a pas le temps. C'est ce que les gens ne savent pas. Je sais, je dis, ouais. Venez à Divo, vous allez voir un peu. Ceux qui viennent à Divo me donnent raison. Je n'ai même pas le temps de ma maison. Les gens me voient difficilement à la maison. Difficilement. Je suis entre le bureau et quand je rentre pratiquement, dès que je commence à manger, je dors. Oui, tu es fatigué. Les démons poilus. Les démons sont pas morts, voyous. Poilus, ne pas sortir. Il faut crier sur eux. Sors. D'autres même disent, j'ai mangé tant. Quand c'est fini, je suis tellement fatigué. Donc, il y a des gens qui me réveillent dans mon salon pour dire, s'il te plaît, ici là c'est ça. Il fallait dormir dans la chambre. C'est fatigant le travail. Non seulement ça, il y a des attaques. Et puis c'est fatigant. C'est pour dire, vraiment, facilite-nous la tâche. Si c'est démon, il peut comprendre. Mais quelqu'un que j'ai aidé. Amen. Quelqu'un que j'ai aidé. Le frère, c'est vrai qu'il a une communication. Mais ce n'est pas mon secrétariat. Il sert de contact entre vous pour vous faciliter la chose. Donc mon secrétariat, c'est à Divo. J'ai dit à la soeur, je suis très bien organisé. Est-ce que c'est mon secrétariat qui t'a dit? Qui peut dire comme ça? Est-ce que depuis que je suis venu, j'ai vu Dominique? Mais ménagez pas les gens, s'il vous plaît. C'est pas de l'orgueil. Elle, c'est ma fille. J'ai déjà prié pour elle. Même Dominique, une fois, elle n'avait pas de cas de séjour. C'est moi qui ai prié pour elle, elle a eu cas de séjour. La dernière fois, elle a eu travail ici. Amen. C'est quelle histoire ça? C'est avec elle cause comme ça, comme si moi je suis son camarade. Amen. Je lui ai dit stop, je suis même prié. Tu continues de me stresser. Les gens, j'ai trop de problèmes. Elle a fait exprès. Non, franchement, il fallait que je dise ça parce que je sais qu'elle suit la vidéo, Je sais qu'elle va suivre cette vidéo. Je n'ai rien contre toi. Vraiment, je sais que tout le monde entier suit cette vidéo. Mais c'est parce que j'avais gros sur le cœur. De comprendre qu'une femme que j'ai décidé d'aider, elle m'attaque comme on attaque un démon. Voilà, elle m'attaque comme on attaque un démon. Le frère Armel, que vous voyez là, il n'a pas le temps. On a pu l'aller à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il dit, monsieur, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il y a un problème de visa. Vous n'avez pas votre visa. Il a beau tempêter, on a voulu régler ça. Je dis, non, si on te laisse partir, maintenant, arrivé au Gabon, Cameroun, ils vont te ramener. Ils ont dit, ils vont te ramener. Et je dis, moi, j'ai pris la voiture, m'a appelé, j'ai pris la voiture, on me l'a nouvelle, c'est la voiture. Non, ils disent, non, c'est un prophète. Non. Je suis allé le prendre, puis je l'ai envoyé. Et depuis lors, elle ne sait pas aussi. Il faudrait que je t'explique. Vous voulez régler les choses dans la chair. C'est un territoire où les démons n'aimeraient pas qu'on rentre pour vous délivrer. Donc ne nous en veux même pas. Tu feras mieux de prier que de nous insulter. C'est toi qui as les problèmes, c'est pas nous. C'est vous qui avez les difficultés. Nous avons décidé, vous devez être plus tendre avec nous. Tu ne peux pas dire, tu peux pas m'insulter pour dire, tu n'es pas le seul. À part toi et d'autres personnes vont t'aider. Et puis toi, tu reviens encore à l'attaque. Tu m'as dit ça. Ça m'a désarmé. Tu as dit, ok. Moi, mais essaie de 100 mois, Dieu peut te délivrer. Et puis tu reviens encore m'attaquer. Moi, je ne peux jamais te dire de venir au Maroc. Je suis vraiment désolé. Je connais ton compte Facebook, je peux t'écrire. Quand j'ai passé par Dominique, deviens moi, on a quel contact? Je n'ai pas de contact avec Dominique. Je suis vraiment bien structuré. L'État ivoirien connaît mon travail, c'est bien organisé. Il y a des enquêtes qu'on mène avant de moralité pour délivrer un papier. Et surtout notre ministère, là, si tu n'es pas bien, on ne peut jamais donner un papier. J'ai bien dit, je suis bien organisé, mais ensuite, je sais, c'est vrai, même si tu penses que je ne suis pas organisé, moi je pense que je suis organisé. J'ai décidé de vous aider, vraiment, il faut faciliter la tâche. Il faut nous faciliter la tâche. Sinon, on risque de zapper sur vous. Et ça, c'est vrai, on risque de zapper sur vous. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a plein de villages où on n'a pas encore été évangélisé. On risque de zapper sur vous. Il y a des personnalités que je vous appelle dans les pays, je vais te payer. Aujourd'hui, même moi, m'a envoyé d'Italie. Il y a des gens qui veulent me déplacer. Spécialement en Italie, pour leur famille, ça ne m'intéresse pas. Spécialement en Espagne, ça ne m'intéresse pas. Je ne vis pas pour moi. Mon ministère, c'est pour aider des gens. Donc, je suis là où Dieu veut que je sois. Je ne vous ai jamais dit que si on a payé, je vous ai jamais dit que payer ma maison. Je ne vous ai jamais dit ça. Non. Qui me donne la main? Qui? Ce n'est pas de combien son ami fait ici. Dieu les pourvoit nos besoins. Amen.
Amen. Ouais, Dieu pourvoit mes besoins. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais je sais que Dieu pourvoit mes besoins. Amen. Le petit, là, il est déjà trop stressé. Il a déjà trop de choses dans la tête. Respectez-le. Moi, je respecte ma mère. Je le respecte. C'est mon collaborateur, je le respecte. Elle envoie les messages, elle insulte, comme si c'était son enfant. Ok. Mais ça n'arrête pas à son niveau, ça vient jusqu'à mon niveau. Il faut la faire. Je lui ai dit, calme-toi. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Moi, je suis comme ça, je suis direct. Hein. Je suis comme ça. J'ai mon problème, ça ne reste pas à l'étranger. Non. Voilà, je m'en ai bêté. Nous, bêté là. Les gars cachent vous. Nous, nous ne restons pas à l'étranger. Non. Je me suis vidé et puis maintenant, attaquer vos démons. Voilà. Je suis en train de tenir annonce après un endroit qu'à